Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Maintenant équipé de mon nouveau casque, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois c'est une vidéo dont je vous avais un petit peu parlé, c'est-à-dire que c'est une vidéo où je vais ouvrir des pops surprises. Je sais absolument pas ce qu'il y a dans le carton. En fait ce que j'ai fait c'est que je suis une fan de pop incontestablement. Hein. Bref, j'adore les pop, j'en ai partout. Genre par exemple, j'ai celle-ci sur mon bureau. Voilà, alors ceux qui les reconnaissent peuvent la mettre dans les commentaires. Une un petit peu plus difficile peut-être à trouver, mais je pense que certains la connaissent aussi bien. Et j'en ai un peu partout dans ma maison, c'est vrai que j'adore ça. Et j'aime beaucoup aussi en faire gagner sur mes réseaux sociaux. Et donc, j'ai contacté Popito, voilà, popito.fr, qui vend des pop. Et je leur ai demandé si c'était possible qu'ils m'envoient une sorte de paquet surprise, où à l'intérieur on découvrirait les pop ensemble et ensuite je vous les ferai gagner sur mes réseaux sociaux. Et ce jour est arrivé, donc c'est génial. En plus vu qu'on est bientôt, on se rapproche doucement des 100 000 abonnés, donc comme ça ça va être super, je vais pouvoir vous en faire gagner une par semaine et voilà, et ça vous fait des cadeaux et moi j'aime bien les ouvrir, j'aime bien les regarder et comme ça ça me permettra de vous les envoyer et de mettre un petit mot avec écrit des vovos, voilà, de faire des petits chachas minous. Donc c'est parti, voici la boîte, c'est écrit hein, Funko, item. J'ai cassé préalablement le scotch, sinon je savais que j'allais galérer pendant 15 ans. Non mais... je vais pas vous spoil directement quand même. Ok, alors déjà j'en vois une où, forcément, ça va vous parler, ça me parle. Et ce n'est d'autre que... Non, vous l'avez vu là. C'est... Harley Quinn! Alors c'est pas n'importe quel Harley, parce que des Harley, il y en a des tonnes. Pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont vu la vidéo de mon appartement, vous pouvez savoir que j'en ai. Alors là, j'en vois 8 d'ici, mais j'en ai une en double, donc j'en ai 9. Donc voilà, donc celle-là, je l'ai. Elle est super jolie, c'est vrai qu'elle est bien travaillée, je vais vous la montrer de près. Elle a sa petite robe avec, avec la batte, et elle fait partie donc de la série Batman. Batman Arkham Knight. Donc elle est avec 3 autres pop, une de Batman, une de Arkham et une de Scarecrow. Alors je suis désolée, j'ai un accent totalement pourri en anglais, donc voilà. On m'excusera. Donc là vous pouvez la voir également en entier. Donc elle est super mignonne et je pense que ça, ça va vous plaire parce que je sais que parmi mes abonnés il y a pas mal de fans d'Harley Quinn. Donc ça c'est pour la première. Donc forcément je vais pas l'ouvrir, hein, on va pas la regarder de près vu que le but c'est pas que je l'abîme vu que je vais vous l'envoyer. Mais voilà, une petite Harley. Et on passe à la deuxième. On passe à la deuxième avec une princesse. Alors ça c'est une princesse, donc on peut voir qu'elle a plein de copines princesses. C'est vrai qu'il y a pas très longtemps je suis allée à Disney, donc je vous en ai montré déjà quelques-unes. Et elle fait partie des nouvelles, puisque c'est vrai que les anciennes étaient beaucoup plus statiques. Elles avaient une robe voilà qui bougeait pas, etc. Et là on voit qu'elle déplie totalement sa robe. Et ses copines c'est pareil, donc elle fait partie de la team Ariel, Belle, Réponse et Tiana. Donc très jolie aussi, ça je sais que ça va plaire aussi. Moi je la trouve très mignonne et je pense que vous allez être plusieurs aussi à la trouver belle. Donc ça va être sympa aussi à faire gagner sur... Alors je pense que je ferai gagner sur deux réseaux. Il y aura une partie qui sera sur Twitter et l'autre partie sera sur Instagram, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Twitter et qui ont Instagram. Ça m'avait déjà été demandé, donc j'ai retenu l'idée. Et de deux, on passe à la suite. Alors celle-là, j'ai mis un petit peu de temps à la reconnaître, mais c'est notre petit Nifleur, et c'est vrai que j'ai vu le film. Et en fait, c'est une petite bestiole qui est super mignonne. Elle est assez rare en France, c'est pas facile de la trouver. Et le petit Nifleur, donc, fait partie du film Fantastic Beasts. Bref, et c'est une bestiole qui adore tout ce qui est argent, pièces de monnaie, tout ce qui brille en fait. Et à un moment, on va le voir dans le film, alors je vous spoil pas le film, hein, mais on le voit, il court dans la banque, et c'est très dur de le rattraper parce qu'il y a tellement de choses qui brillent là-bas que son maître va avoir beaucoup de mal à le récupérer et à le remettre dans sa petite valise. Voilà. Et donc il y a toute la famille avec, et il y a deux Nifleurs, donc il y a celui-là et un autre qui a un petit sac à main dans les mains. Donc celui-là a des petites pièces, voilà, je vous le montre de plus près. Et il a une petite tête trop mignonne, voilà, il est adorable. Donc pareil, il sera à gagner. Un petit chou, bah oui tu es mignon. Alors ensuite, ah ça, ça va plaire à pas mal de filles. C'est aussi une pop qui est assez rare, qui est une exclusivité puisqu'elle est pleine de paillettes. Là je sais pas si vous voyez, elle brille de mille feux. Moi j'ai celle-là à la maison pour ce pareil. Encore qui ont vu ma vidéo, mais sans les paillettes. Donc là c'est Miss Paillette avec son chat, donc qui fait partie de la team Sailor Moon. Donc c'est la seule hein, qui est en paillettes, parce que là je vois les autres, on peut les voir toutes derrière, et les autres n'ont pas cette exclusivité là, ne sont pas pailletées. Donc très jolie aussi,
C'est vrai que les paillettes, ça rend vraiment un côté sympa, et je sais qu'il y en a certaines, il y en a forcément certaines et certains d'entre vous qui aiment les mangas. Vous avez été beaucoup d'ailleurs à me redemander de jouer à Yandere Simulator. Ce sera fait, c'est juste que je suis totalement nulle, mais on essaiera de faire ça ensemble en live. Mais là, voilà, elle est adorable, et j'adore les pop, moi, qui ont des petits accessoires comme ça en plus. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais la pop que je vous ai montrée a ce petit accessoire-là aussi, a son petit chat à côté. Et j'aime bien, comme ça, quand on se retrouve avec une pop et une mini pop à côté, je trouve ça vraiment adorable. Donc elle est vraiment super jolie, elle est bien travaillée, elle a même les petites boucles d'oreilles sur les côtés, je sais pas si vous voyez. Elle a ses petites boucles d'oreilles en forme de lune avec des perles, donc... Celle-là, je pense qu'elle va faire des ravages, hein. Et la dernière de la série... La dernière de la série, c'est un petit clin d'œil à Marie, parce que je sais que Marie adore ce personnage, et c'est Hank du monde de Dory, qui est vraiment adorable, cette espèce de petit poulpe, mais juste trop mignon, avec sa petite tasse. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont vu le monde de Dory, ça a été fait vraiment pour ce film, hein. Il y en a juste deux. Bonjour mon chat, merci de te joindre à nous, toi aussi tu le trouves mignon. Non mais il est pas à manger, hein. C'est pas à manger. Donc très mimi, avec sa petite tasse, le Hank. Il est adorable, la tête un peu blasée, mais voilà, ça c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à Marie. Je les ai empilés là, ça donne un petit côté sympa, je vous montre. Et voilà, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, ça fait quand même 5 pop à vous faire gagner. Donc ça veut dire 5 semaines de giveaway, plus d'un mois du coup. Donc c'est chouette, je vous les remontre toutes, si j'arrive à vous les mettre. Mais voilà, ça fait des beaux giveaways. J'ai pas la dernière. Et la meilleure, la plus belle, ma préférée, Harley Quinn. Donc si vous aimez bien vous aussi les pop, que vous avez envie d'en commander, je vais vous mettre ici le lien du site où vous pouvez les trouver, sachant qu'ils sont sur Twitter et je pense qu'ils ont un site aussi à eux. Je pense même, je suis quasiment sûre. Et sinon, bah soyez actifs sur mes réseaux sociaux, jetez un œil et puis participez au concours. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très très fort, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you.